Hello tout le monde, c'est Falken et bienvenue sur votre cinquième épisode de notre Let's Play sur Quantum Break. J'espère que vous allez toutes et tous bien les amis. Très heureux de vous retrouver après une petite interlude pour moi en termes de tournage. J'espère en tout cas que le jeu vous plaît toujours autant. Pour moi, c'est vraiment la bombe annoncée. Les amis, j'ai juste deux choses à vous dire avant de continuer. La première, tout d'abord, vous remercier encore une fois et bien pour votre fidélité sur cette série. Et la deuxième, sachant que j'ai un rythme assez soutenu, à savoir une vidéo tous les deux jours, j'avais pensé, on va dire par rapport à l'épisode dernier, qui avait été très long, je vous le rappelle, eh bien de vous proposer des vidéos d'une demi-heure, 40 minutes maximum, histoire de nous dire que tout simplement, eh bien vous ayez le temps, eh bien tout simplement de visualiser les vidéos au fur et à mesure. Et moi, comme ça, eh bien, je n'aurais pas l'impression en fait de saucer le jeu et qu'on puisse durer quand même en termes de durée de vie. Parce que je ne vais pas vous le cacher, là on a fait 4 épisodes, on en est quand même à 23% du scénario. Alors je me dis, si c'est pour faire un let's play en 10 épisodes sur un gros jeu que j'attendais, je me dis que c'est peut-être pas forcément top top. Les amis, dans l'épisode numéro 4, je vous rappelle que nous devons chercher, eh bien, dans la continuité donc de cet épisode, Paul Seren dans le secteur 0. Je suis toujours très intrigation de ce Martin Hatch, je vous rappelle le Black, hein, qui pour moi tire vraiment les ficelles eh bien, de cette entreprise qui est très glauque hein, selon moi. Et je vous propose eh bien, que nous découvrions la suite de nos aventures dans cet épisode. N'hésitez pas à me dire si, bien sûr en commentaire, cette nouvelle idée de vous proposer des vidéos plus courtes serait mieux mise en valeur pour vous. Allez, on y va. Donc, traverser l'entrepôt. Ok, QTE. Alan Wake, QTE, QTE, QTE. Ok, parfait. Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Rien du tout. Très bien. Alors, ici. Loup, 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 loup. Voilà. Alors, conteneur de chronon, dépensé, d'accord, détruisez, d'accord, j'ai vu, alors, d'accord, donc, c'est ici. Je sais pas trop si ça servait à quelque chose, mais, oh là. Ok, et toi, tu crèves, crève, 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 voilà, ok, où sont nos ennemis, juste là. Ok. Il y a un gros, il y a un gros. Attention. Oula. Vite, 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 vite. Oh non, c'est pas possible. Non, mais on commence mal là. Alors, faut vraiment que j'essaie de m'extirper de cet endroit confiné. Parce que ça va devenir dur. Ok, en plus, faut qu'on recommence. Non, j'aime pas ça. Bon, allez. On y va, on y va, on y va. Hop là, bonjour. Ah, là par exemple, d'accord. Ouais, mais fallait que je fasse quoi? Ah ouais, c'est vrai qu'on avait augmenté nos pouvoirs. Alors, vite, 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 vite. Ok. Ensuite, ils sont où? Peut-être qu'on peut faire quelque chose du genre comme ça. Ok, il y a le gros qui va pas tarder. On va faire attention. Oups là. Ok. Toi. Oups là. Vite, 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 vite. Oh là là, mais il y a trop de monde là.
Hop là. Et hop là. Oh là. Oh là là. Mais c'est super chaud. C'est super chaud, les amis. Je suis désolé, je commande pas forcément, mais c'est très dur. Alors je me dis qu'en termes de gameplay, je l'avais pu le remarquer bien dans l'épisode dernier, c'est vraiment difficile, je trouve. Je trouve que la difficulté est vraiment présente. Donc bah écoutez, on va essayer de faire... Je vais déjà essayer de lire ce qu'il faut là avec les barils de chrono, parce que je crois qu'il faut appuyer sur B. Enfin, je crois pas avoir bien compris ce que le jeu nous proposait. Donc on va y aller. Alors faut aller par où? Faut aller... Ah d'accord, on revient en arrière. Tango Golf Falcon et on continue. Traverser l'entrepôt. Donc Dr Sophia Amaral. D'accord. Allez, go. Alors, le message. Détruisez les contenants de chrono en tirant plusieurs balles dessus afin de créer une interruption. D'accord, une interruption temporelle. Attends, mais... Ah! Ok. Mais non, mais... Je joue trop mal, c'est pas possible. Oh là 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 là. Mauvais, qu'est-ce que je suis mauvais. Non, juste là. Oh là 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 là, la galère les amis. La galère, mais je joue trop mal. Ah, et puis je me dis, j'ai pas envie de vous proposer des lifts parce que ça peut être pour vous très marrant et bien tout simplement de me voir rager, hein, tout simplement. Donc on va faire les choses comme il faut. Déjà au niveau armes, je peux pas sélectionner, je peux pas voir où j'en suis et ça m'embête ça. Ok, vas-y. D'accord. On prend le fusil d'assaut. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Ok. D'accord. Alors, je sais pas si j'ai réussi à en avoir, mais en tout cas... Hein. Oula! Recharge. C'est le gros qui me pose souci là. Oh là là. Vite. Ah. Ok. Hop là. Ok, vas-y. Oh oh. Ouais, c'est bon. On a eu le gros. Ils sont où? Là. Ok. Attention. Ok. Ok, il y en a deux là-bas, on peut essayer de les avoir, même plusieurs. Voilà. Normalement c'est bon, et là... Ok. C'est bon ? Faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Mais mon dieu, ce niveau quoi. Ok, alors qu'est-ce que nous avons là ? Alors, toujours donc cette entreprise Monarch. Un rapide message pour m'assurer que toutes les divisions du département de recherche et développement sur les chronons respectent le planning. Comme vous le savez, Monarch passera la phase 3 le 9 octobre après l'opération de l'université. Voici un rappel des principaux objectifs de la phase 2. Opération de collecte de la zone 0. À la fin de la phase 2, nous espérons avoir collecté suffisamment de particules chronons dans la zone 0 pour alimenter la technologie de chronons indéfiniment. Après ce jour, l'accès à la zone rouge sera strictement interdit. Le matériel de collecte sera démantelé et envoyé à la tour Monarch pendant la phase 3. Recherche sur le RCC. Les recherches sur le RCC doivent être achevées et le RCC doit être renvoyé à la tour Monarch où il sera en lieu sûr. Capsule temporelle.
La phase de test du prototype de capsule temporelle doit être achevée. Une nouvelle phase de test débutera quand le RCC aura regagné la tour Monarque. Technologie de Chronon. La version alpha de la technologie doit être prête pour toutes les armures et toutes les armes. La version bêta sera intégrée pendant la phase 3. L'absorbeur doit être conforme aux objectifs de livraison. Je vous invite à lire le planning prévisionnel pour vous assurer que tous les objectifs soient atteints. Docteur Sophia Amaral, directrice de recherche. Ok. Combien de documents? Il y en a 13. Alors ça risque d'être un chapitre assez long. Tout à fait. Donc bah écoutez, je pense qu'on va le couper en deux. Hein. Ça paraît très fort logique. Ok, alors qu'est-ce que nous avons? Parce que là finalement, on n'a pas beaucoup de bonnes armes, je trouve. On va regarder ensemble. Alors ici. Ici, ici, ici. Moi j'ai vu quelque chose. Voilà, là, là, quelque chose. Là. Donc il faudra y aller. Très bien. Est-ce que je ne pourrais pas monter? On va voir ensemble. Tac, tac, tac. D'accord. Là. Je suppose qu'il y avait des documents là-haut. D'accord. Donc on a quoi? D'accord. Tac, tac, tac. Alors, peut-être des documents. On va regarder ensemble. Ici. Non. Ah, là. J'avais bien vu un plan. Sophia Amaral, la spécialiste en interne des chronons de Monarque. Elle doit être au courant des mêmes choses que Will. Ok. Alors, comment on monte là-haut? Et en plus, on voit. Oh. Attendez, pourquoi il y a quelqu'un qui me cible là? C'est quoi ce délire? Plus connu sous le nom de particules. Et comment je fais pour monter là-haut? Peut-être en détruisant ça. C'est ça ou pas? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors comment je pourrais avoir eh bien, le chronon que nous avons juste derrière la barrière? Là peut-être. Là, ça doit être ça. Ok, voilà, ça doit être ça. Et après, non, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose? Et voilà, comme ça. Bien sûr. Hop. C'est pas comme ascenseur. Parfait. Alors après, si j'ai bien compris. J'ai trouvé des documents sur une sorte de gala privée organisée par Monarque ce soir. Ce soir? Après tout ce qui s'est passé? Ça a un rapport avec leur futur plan. Seren va faire un discours et tout le gratin est convié. Les gros pontes de Monarque, les plus grands scientifiques et même le maire de Riverport. Ce qui m'amène à poser la question, pourquoi maintenant? Je sais pas, mais je compte bien le découvrir. Ok, donc normalement il y en a un ici, voilà, juste là. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Parfait. Donc il y en a 7 aussi dans ce monde. Très bien. Mais ce qui me pose problème, c'est comment je vais de l'autre côté. Ici, j'ai réussi, mais de l'autre côté, comment je fais? Ok. On va regarder si on peut pas... Hop là, partir de l'autre côté. Non. Comme ça, bien sûr. Alors, je pense... Ouais, ça paraît logique. Ça paraît vraiment logique, tout à fait, c'est ça. Ah, on peut aller aussi ici. D'accord, mais est-ce qu'on peut aller par là? On va regarder. Vas-y. Hop là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, rien du tout. Oui, je sais, j'ai un débit de jeu assez, on va dire, assez lent. Mais rassurez-vous, hein, c'est parce que je vais essayer de trouver un 100% limite. Donc, on avait vu quelque chose par là, non? Ah, attendez, le jeu, il veut qu'on aille par où, là? Ok, et... Genre, il y aurait rien là. Ok. Je me rapproche, je crois. Bon, c'est par où la cale sèche?
Ok, donc le jeu veut qu'on aille là-bas, j'ai vu un chrono en bas. Mais là, normalement, il n'y avait pas quelque chose? Me paraît bizarre, les amis. Normalement, on pouvait faire quelque chose ici. Hop. Ah, d'accord, ça indique là-bas. Alors, j'ai vu qu'on pouvait passer. Hop là. Tu vas faire ça. Voilà. Et on va refaire le tour. Donc nous on était passé par où? On était passé par où? Quel gogol, je m'en souviens plus les amis. Je m'en souviens plus du tout. C'est n'importe quoi. Où est-ce que t'étais passé? Voilà, par... Non, pas par là. Par là. Allez, fais le tour, fais le tour, fais le tour. Hop là, vas-y. Remonte. Voilà. Et on fait le tour, et on fait le tour, et on fait le tour. Oui, on sait pour l'objectif, rassurez-vous, on sait, on sait, on sait. Mais il y avait quelque chose. Regardez là, par là. Tac. Voilà, juste là. Ok, 2 sur 7. Rien d'autre? D'accord, donc rien d'autre. Ok. On peut ressortir par là? Non. On monte comment? Par les caisses. Vous allez me dire un peu normal. Voilà. Voilà. Et du coup, on va pouvoir donc redescendre. Je ne sais pas par où, vous allez me dire. On s'en fiche un peu. Hop là. Par ici, par exemple. Voilà. Hop là. Vous voyez pourquoi y a... pourquoi j'ai un symbole comme s'il y avait quelqu'un qui me visait en fait, qui m'avait vu. Je comprends pas trop, je dois vous avouer. Ok, et du coup? D'accord, le jeu veut qu'on monte là-haut. Donc on recommence, hein. Désolé, parce que j'ai pas vu que c'était bloqué, si vous voyez ce que je veux dire. On perd notre temps, mais c'est pas grave, rassurez-vous. Hop là. Allez, go, 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 go. Mais de toute façon, même dans les phases de gameplay, on en apprend vraiment sur le scénario. C'est vraiment très évident. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, j'ai pas bien utilisé, je trouve, pour la phase de gameplay, les barils de chrono. Donc, on va essayer de faire quelque chose de plus propre, je pense. Vraiment. En tout cas, au niveau des effets de lumière, il est vraiment très, très beau. Ça, y a vraiment rien à redire. Ok, donc il faut vraiment qu'on passe par là-bas. Très bien. Et du coup, est-ce que j'aurais pu monter là-haut? Regardez là, on a l'impression que... l'impression qu'il y aurait quelque chose... J'avais pas... Non mais sérieux, ici, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose. Vraiment, sachez-le. Ah bon, c'est pas grave. Ok. Eh bien, je suis sûr qu'il était à l'intérieur. Je suis sûr qu'il était à l'intérieur, mais c'est pas grave. Ok, c'est moi ou... Ouais, ici. Parfait. 3. J'aime. Ah, ok. Il faut qu'on aille ici. Alors, bonjour. J'ai toujours la mallette qu'on a volée dans la caisse de William Joyce. J'ai vidé son contenu dans le préfabriqué. Tu veux que j'y jette un œil? Non, non. Seren va être le premier à regarder. D'ici là, on touche à rien. Ok. Ah, il y a peut-être une suite? J'ai toujours la mallette Non, qu'on a c'est bon, volée c'est dans bon. la caisse de William. Ok, et... Bon, bah on a loupé, eh bien tout simplement, un chrono. Vous allez me dire, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Mot sur le préfabriqué. Le générateur de préfabriqué est tombé en rideau. J'ai relayé la voiture pour résoudre le problème en attendant que l'équipe de maintenance daigne s'en occuper. Ok. Ah, c'est quand même un objet narratif. C'est plutôt pas mal. Ok, allez. On dirait que le courant est revenu dans le préfabriqué. Parfait. Ça me fait plaisir.
Ok, j'ai vu un ordinateur. Allez, boum, on va regarder par ici. Les hommes de Paul avaient récupéré la mallette de Will dans sa voiture et vidé son contenu sur la table. Ok. Alors, par ici, ok, on a vu le chronon. Mais nous, on veut aller par là. Alors, ici. Will avait dit avoir besoin de quelque chose dans sa mallette pour empêcher la fracture. Elle contenait pas grand-chose, à part son téléphone et la clé de la piscine Bradbury. Pas très parlant comme indice. Jack, c'est Bess. Monarch vient de filmer votre ami en train de fouiner dans des fichiers ultra confidentiels de la compagnie. C'est vraiment une très mauvaise idée. Amy, je dois aller la chercher. Non, je m'en occupe. Où êtes-vous? Je suis en chemin pour retrouver Paul au Calsèche. Sirène n'est pas la priorité. Je vais vous sortir de là. Je vous retrouve au Calsèche. Monarch communique sur le canal 1. Utilisez-le pour anticiper leurs actions. Et Jack, ne faites rien de stupide. Ah, merci de votre confiance. Ok, donc on a notre objectif. Mon scénario. Bonjour docteur Amaral, on ne connaît pas très bien. On ne se connaît pas très bien, mais je fais partie de l'escouade Reaper de Monsieur Sirène. Le fait d'être en contact avec toute cette technologie temporelle, ou technologie de chronon comme vous devez l'appeler, non, m'a donné beaucoup d'idées et j'ai commencé à écrire un scénario. Ça parle souvent de choses scientifiques, alors j'aimerais avoir l'avis d'un expert pour être sûr que c'est crédible. Ça vous embêterait d'y jeter un coup d'œil? Merci. Alors c'est de Bruce Livingstone, c'est ça. Voici la première moitié. Le couteau a voyagé dans le temps, par Bruce Livingstone. Ah, merde. Alors c'est long ou pas? Ouais, alors je vous laisse au pire aller tout simplement... Vraiment, je vais y aller tout doucement si vous voulez lire et mettre sur pause. Mais là je vais pas tout lire hein, quand même. C'est on dirait une fanfic de Sorcière de Glace. En gros, je vous ai dit, hein, tout ce qui était en rapport avec le scénario, je suis pas contre, hein, tout simplement. Mais pour tout le reste, je vous laisse mettre sur pause, hein, si ça vous intéresse. En plus, c'est vachement long, j'ai bien fait de pas tout lire, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, allez, vas-y. Je vais pas plus vite, hein. Wouah, mais regardez, quoi. Tout ce qu'il y a. C'est une fanfic, moi, je vous dis, c'est une fanfic. Regardez, l'onglet de défilement de la page. On n'est pas encore, hein. On n'y est pas encore. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Ok. Donc il y aura plusieurs actes. On en a 5 sur 13. Très bien. Et j'ai vu aussi quelque chose là-bas. Oh, de Martin Hatch à Clarice Ogawa. Cela ne change rien. Le plan suit son cours. L'opération de l'université a entraîné en contre-temps, mais nous pouvons le tourner à notre avantage. Paul se concentre sur la phase 3 du plan, il soupçonne la présence de traîtres au sein de Monarch. Mais je suis sûr qu'il ne sait pas où chercher. Je vais faire en sorte de trouver un bouc émissaire. Le gala aura bien lieu ce soir. C'est là que nous abattrons notre prochaine carte. Occupez-vous des préparatifs, assurez-vous que les charges sont en place dans le laboratoire du docteur Kim. Je verrai à ce que ce Paul soit suffisamment occupé pour que nous soyons lavés de tout soupçon. Oh là. L'opération de l'université a attiré beaucoup plus d'attention que prévu. Quelles sont les conséquences sur le déroulement de notre plan? Je crains que Paul Sirène nous ait à l'œil. Nous devrions peut-être attendre que les choses se tassent pour passer à l'étape suivante. Oh là, Clarice Ogawa et Martin Hatch seraient de mèche? Ben moi je dis que ça a l'air très 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 enthousiasmant tout ça. Croyez-moi. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons par ici? On va regarder ensemble. Ok, donc on est vraiment là sur les cales. Hein. Ça se voit. Ok, j'ai vu le truc là-bas, très bien. Il n'y a rien par là. D'accord, bon bah. Ah. Il y en a forcément là. Non? Par ici peut-être? Ah oui, bien. Parfait. 4 sur 7. Dans le mille. Nickel. Hop là. Alors, est-ce qu'on a autre chose? D'accord, donc ici on a des barils. Là on a un document. Ah non, c'est une arme. C'est une arme, Falken. C'est une arme. Alors ne fais pas quelque chose d'indécent. Ok, allez, on va tirer dessus. What?
Mais il y avait des barils. Ah d'accord. C'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Ok, et alors comment tu veux qu'on fasse? Ah bah oui, bien sûr. Tirer comme ça. Et après... Voilà. Ok, très bien. On en a au niveau combien de records? Ok. On vient d'entendre une explosion près du périmètre de collecte. Ouais, on se demande bien qui ça pouvait être. Charlie, libère le canal. Équipe Striker, mettez-vous en position défensive autour de la zone 0. Bien reçu. Ok, parfait. Et cette fois, on va pouvoir passer. Nickel. Et on va prendre l'échelle. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, mon petit Jack. Vas-y, vas-y. Très bien. Alors. On veut qu'on aille par là. Très bien. Y'a rien d'autre? Oh. Par contre, j'ai vu les soldats, là. Ça rigole pas, j'ai l'impression. J'ai reconnu l'atelier de Will dès que j'ai vu le vieux panneau au-dessus. C'est l'endroit que nous appelons Zone Zéro. Il était clair que l'atelier était au centre de l'opération de Monarque. Je voulais découvrir ce qu'il renfermait. De toute façon, ça n'est pas le seul moyen d'atteindre les cales sèches, Paul Seren. Ok, alors toi là-bas. Bah, la résistance, quoi, s'il vous plaît. Regardez. Non, mais s'il vous plaît. Il est pas mort. Oula. Oula. Alors, où est-ce que vous êtes, mes amis? Alors. Non, non, mais on est très bien. Ok, et après? T'es où? On va voir un petit peu si tu veux jouer. Il y a encore du monde ou pas? Non, j'ai pas l'impression, on va pouvoir descendre pour être tranquille. Voilà. Parfait. Non, il y a encore du monde. Il y a encore du monde, c'est sûr et certain, les amis. Ouais, là-bas. Le mec, il s'est pas visé. Ouais. Non. C'est bon? Très bien. Renfort à l'approche de la zone verte, on attaque la cible. Bah, bien sûr. Mince. J'aime pas les gros. Tiens. Oui. Oh là là, il y en a un deuxième. Il y en a un deuxième, c'est pas vrai. Me dites pas qu'il y a d'autres ennemis parce que sinon... Ok. Voilà. Ah, c'est des fusils à pompe en plus qu'ils ont. Allez. Ah oui, hein, je pourrais... Allez. J'ai plus de munitions. Non, 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 non. Ouh. Esquive, esquive. S'il te plaît, reste pas bloqué. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je joue mal, c'est pas possible. Ok, c'est bon pour lui. Donc il faut vraiment, ouais, les esquiver comme ça. What, mais il y a encore du monde là? Ok, c'est bon. Je vois rien. Ah ouais, donc c'est bien au Gawa hein, qu'on voit. Alors, prends ça, parfait. Pfff. Ils sont où? Je les vois pas. Où est-ce qu'ils sont? Mon dieu. Ah d'accord. Ou pas. Mais... Ah mais t'étais là toi. Quand tu veux pour crever.
Ok. Pas fini. Oh là là. Ça, là. Ah, génial. La porte est fermée. Oh, et merde, je fonce. Des malades. Des gros malades. Ok, c'est quoi ça? D'accord. Alors, quasiment un sac, ok. Un sac Oh là. Mais où ils sont là? Oh. Mais. Ah, ils passent par là. Où est-ce qu'ils peuvent passer? Là, non, on est d'accord. C'est que là. Ok, tranquille. Et après, il y en a un. Ok, il est tout seul. Ok. Et il y en a encore un autre là-bas. Ok, parfait. Alléluia. Pas fini. Non, rassurez-moi, c'est fini là. C'est fini parce que là, on a tout donné quoi. On a tout donné. Hein. Ok, allez, on a des munitions. On va inspecter un petit peu la zone, puis je pense qu'on va pas trop tarder à se laisser, les amis. On va faire comme ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y aurait des chronos? On va regarder ensemble. Non, ça nous indique pas, très bien. Ok. Alors, on va se rendre dans cette deuxième partie de zone. Débarrassez-vous des ennemis dans la cour des transformateurs. Ok, mais où sont les autres ennemis? Je suis en train de checker, il n'y a rien du tout. Alors ne nous faites pas comprendre, franchement, qu'on n'a pas fait tout fait, quoi. Ok, un sac avec, voilà, des munitions. Je crois qu'on était déjà à fond. Ok. Alors là... Ah, je pensais qu'on pouvait tirer dans le... Je pensais qu'on aurait pu tirer dans le... Attendez. Ouais, du genre là. Non? Qu'est-ce que je peux faire là? Tirer sur le moteur, non? Moi je tire sur le moteur, non, on n'est pas d'accord. Ou alors peut-être. Non, pas du tout. Le fail. Ok, alors comment je fais alors du coup? Rien du tout par là, très bien. On va aller se rendre de l'autre côté de la zone pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose pour nous aider. Un petit document, des munitions. Vous savez que j'aime bien tout explorer, je le répète. En tout cas, épisode plutôt, on va dire, ouais, de passage, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris grand-chose en termes de scénario, hein, sachez-le. Mais avant qu'on se laisse, on va essayer d'interagir avec ce camion, parce que j'ai pas compris, là, ce qu'il fallait faire. Peut-être monter dessus sur le camion, non? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Paul avait conçu un équipement permettant à ses hommes de se déplacer lors des interruptions. Il savait que la fracture aurait lieu. Il s'y était préparé, mais il n'a jamais essayé de l'empêcher. Ok, alors là, boum! Le deuxième, il est là. Ok, ils peuvent se déplacer, donc là, ils ont les mêmes pouvoirs que nous. Je dirais... Hop là, ils sont où? Il y en a un là-bas. Donc c'est le dernier. On va regarder ensemble. Voilà, parfait. Pas terminé. Ok.
Boum. Ils sont où? J'aime pas ça. On peut pas les voir du coup. Ça. Ok, c'est bon, c'est débarrassé de lui. Oui. Will ne vous a jamais dit ce qu'il faisait dans cet atelier, dans la zone zéro? Non, jamais. Il m'a toujours caché cette partie-là de sa vie. Rien ne m'avait préparé aux aberrations qui m'attendaient à l'intérieur. Et ça, c'était qu'un début comparé au drame dont cet endroit devait être le théâtre plus tard. Ok les amis. Bon bah écoutez, finalement on est plongé au cœur de l'action encore une fois. Bah, c'est pas grave, hein, j'avais dit 40 minutes max. On va explorer, désolé hein, encore une fois pour la durée de l'épisode. Mais je peux pas m'arrêter, je dois vous avouer. Donc eh bien écoutez, on va voir. Désolé aussi pour le fail, hein, je vous le dis maintenant pour le début d'épisode. Hein. Mais bon, je pense que ça vous fera plaisir parce que je me disais « Le mec, il va pas y arriver et tout !» En tout cas, pff, technologiquement, ce jeu, j'adore. J'adore vraiment, sachez-le. Il est très beau. Il y a vraiment rien à dire sur ça. Alors du coup, on va regarder. On n'a rien comme document, rien du tout. Aucun chronon. D'accord. On va prendre des munitions. Voilà, merci. Et faut qu'on aille là, mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose ici? On va regarder. Non. De toute façon, on est toujours dans une, toujours dans cette faille, hein, je vous rappelle. Et allez, c'est parti. J'ai pas trop le choix. Comment ça, t'as pas trop le choix? Ah, je peux pas vous laisser là, les amis. Hein. What? Accès interdit. Je suis sûr que c'est plus un conseil qu'un ordre. Ok. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que vous savez ce qu'on va trouver? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? J'avoue, qu'est-ce que c'est? What? Mais ça s'est déjà produit. Ok les amis, eh bien je vais être un gros salaud et je vais stopper ici ce 5e épisode. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu, désolé encore une fois pour la longueur. Désolé pour les petits fails, hein, pour les 3 reprises pour le début du passage, hein, je vous rappelle, le tout premier fight. N'hésitez surtout pas à commenter, liker et partager cette vidéo. On se retrouve dans 2 jours pour la suite de nos aventures sur Candle Break. Je vous fais des bisous, ciao, bye bye.